Yo, leave the bow, where I'm going to get the two of my cabbage. I'm going to go to Sanamua. I'm going to go to the Sanamua. I'm going to go to the Sanamua. For example, I'm going to go to the Tontola. 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 For example, I'm going to go to the Tontola. I'm going to go Ligidemen kabendi te kuri te de men watin kabye pa de samba taran law panan to kon jutin ne de panan kon fya amma bo wi kra wor bale ke musuna bo hon na male don atum ne nango tum ne to lo nango la ligining nan por fitin ba hawa ni kabye pa ne tu ma ton ne tu kyo na mon ton tum ali is fo mala ligid kabye Je m'appelle Christophe Sawadogo, je suis peintre, artiste plasticien et je suis dessinateur également. Je fais des peintures quand vraiment je me sens inspiré de le faire. Et je fais des œuvres personnelles, mais aussi des œuvres collectives où j'invite la communauté avec laquelle je vis, ou les communautés extérieures à mon environnement. Pour qu'ensemble nous puissions créer quelque chose qui nous rassemble ou qui nous ressemble. Moi, je suis originaire de Rouko, où il y avait de l'exploitation d'or artisanal. On allait aider nos tantes, on allait aider nos parents là-bas dans les mines. Et donc, quand après, je suis devenu adulte et artiste, j'ai commencé à travailler en m'inspirant de ces sujets-là qui datent de depuis l'enfance que j'ai vécue. Et alors, je l'extériorise maintenant dans mes toiles. Je suis un membre actif de Gold Marquez. Nous sommes une association de chercheurs qui travaillent sur l'orpaillage et aussi sur le développement durable. Je suis ces groupes de chercheurs, quand ils vont dans les mines d'or pour faire des recherches, moi j'y vais pour faire des travaux avec les enfants, avec les femmes et aussi parfois avec certains hommes qui sont disponibles à le faire avec moi. À Wayakane, on voit Yatondo, un touristine Tara, Toumde, Wolo Deshinamboudou, et Yeme Toub dans les tins Sardemade. Le sami qui est ton sang, date me, et toi me, nawa man, ton y est rata. Allah, ça ne m'a pas mis de l'huile. Allah, il va, ça ne m'a pas mis de l'huile. Singapore. On voit, mais tu es un CVD d'Amba, CVD d'Amba. Tu es un Tengalemba. Et je me sens comme sur les murs en bas. Tu es un Neba. Je suis un dessinant de Neba. La vie, je suis un dessinant de Neba. Je suis un point. Tu es un point. Comment tu es un point? Ton famé a dessiné ma haye totoningé yenda mi la touma ya boko han chondra la toni elem tiron point la ton la tamane en contondo c'est comme s'il m'avait imposé le rond point et moi
dans cette idée du rond-point, alors j'ai essayé de me retrouver. Puis je me dis, en tant qu'artiste, il faut parfois aussi travailler en accord avec le milieu dans lequel on vit. Ton yak rond-point, il y a tout le monde. Ton tout le monde. Ton même rajouin de man rond-point exemplaire. Il ne va pas suivre. Mobile en kien ka ou kou ou la ou tanda. Montez jote ka nou wis wis ou. Ril wakar kanga. Neb meng mi ou yak mi kour staba. Alleti mi ya nokia met police number yi manche. La fin, yavon pas suivre rond-point. Le rond-point ou même pas tout le monde nan de façon. Am ta dem tiere ndem ing la suivre en kabo. Ril li ane la han ton he. Yanda sabah ya ta yanda tum de tum kang buda. Et ton yetin la ton lata. Ta otro man nan de. Ti rik makre ni nimbu de kolo. J'ai fait une étoile avec des ailes, avec un peu plus de direction comme ça pour montrer que nous sommes au Burkina dans un moment assez important de notre vie où plusieurs communautés peuvent collaborer, peuvent ensemble parler et voir dans la même direction. Cinq branches là, réunies dans une même étoile, pour moi ça représente le Burkina Faso dans sa diversité. Le hangar a été construit entièrement par des femmes, avec des matériaux récupérés sur le site ici. Et donc, on a récupéré beaucoup de choses, des plastiques, des cordages. Et c'est comme un ouvrage, pour moi, c'est une installation. Voilà, une installation non pas seulement pour la curiosité des yeux, mais une installation pour la vie, parce que ces femmes, ces hommes qui viennent manger pourront s'abriter sous cet ouvrage-là. Mais en même temps, c'est un ouvrage à plusieurs mains. Je dis que ça a été réalisé par plus d'une dizaine de femmes, travaillé avec plusieurs personnes, avec ces communautés différentes. Ça donne de la motivation et peut-être aussi, c'est comme ça que nous devrions construire le Burkina Faso. C'est un hangar avec plusieurs couleurs, avec plusieurs mains et chaque personne peut trouver sa vie sous ces hangars-là. En tant que bien fait, net ni là. T'as un exemple, l'absolument ta étoile. Voilà où on a peinti le pêle. Il y a failli à ne qu'il passe à venir là. Par moi, il y a pêle. C'est une étoile qu'on peut voir entièrement. Quand on est à côté, ou même à une dizaine de mètres, on ne peut pas voir toutes ses parties. C'est une étoile qu'on voit de haut, comme pour rendre hommage à ceux-là qui sont partis du fait du terrorisme. Tous ceux qui sont au ciel aujourd'hui, du fait du terrorisme, de l'intolérance. Alors, donc, c'est pour rendre hommage à ces victimes-là, à ces âmes parties trop tôt, pour qu'elles puissent toujours nous regarder et nous inspirer le pardon entre nous pour nous inspirer ce dialogue qui pourrait nous aider à ressouder les liens, à un peu réparer le fil qui est cassé. Il y a des luttes, il y a des causes sociales que les artistes peuvent porter et doivent porter. L'art peut et doit servir des causes sociales.